Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Les amis, encore des nouvelles. Pas de nouvelles, mais quand même, ça reste des nouvelles. Barcelone est dans une embardée financièrement, et depuis un certain temps maintenant, vous l'aurez remarqué, il y a un mot qui revient toujours dans mes vidéos, c'est la masse salariale massive, qui doit être réduite, mais également, le bois mort doit être nettoyé. Ce ne sont pas des infos qui sont apparues hier ou aujourd'hui, puisque c'est toujours la même information. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le Barça est prêt à prendre des mesures drastiques pour y parvenir, c'est-à-dire réduire la masse salariale. Et ce n'est que récemment que le FC Barcelone a résilié le contrat de l'inconnu Mateus Fernandez, un milieu de terrain de 23 ans qui était dans les rangs du Barça depuis 18 mois maintenant et avait encore 4 ans de contrat avec le Barça. Et pourtant, le Barça aurait pu gagner de l'argent grâce à sa vente, mais la direction en a décidé autrement. Et juste comme ça, le FC Barcelone a décidé de balancer la hache. Et selon un rapport du quotidien AS, le FC Barcelone est prêt à faire de même avec Samuel Umtiti qui a vu ses capacités chuter considérablement alors qu'il continue d'être en proie à des blessures. Le Français a été informé qu'il n'était pas dans les plans du club après n'avoir commencé que 6 matchs lors de la saison 2020-2021 en championnat. Et comme Mateus Fernandez, le champion du monde 2018, n'a non plus été disposé à accepter les offres qui lui ont été adressées. Une de ces offres provient de l'Olympique de Marseille, un club avec lequel le Barça a déjà fait affaire en vendant l'ailier Conrad de la Fuente. Mais Umtiti n'a pas répondu positivement à l'option de sortie, ce qui pourrait obliger à prendre les choses en main pour les dirigeants du Barça. En effet, selon le rapport, le FC Barcelone a décidé de ne plus continuer à négocier avec le joueur de 27 ans. Au lieu de cela, comme ils l'ont fait avec Fernandez, c'est-à-dire en résiliant le contrat, qui, je le rappelle, va durer encore 2 ans. Affaire à suivre dans les prochains jours. On passe à autre chose. La deuxième, alors que les gros titres continuent d'être dominés par la situation contractuelle entourant Léo Messi, le Barça continue à s'efforcer pour réduire l'effectif pléthorique. Au cours des derniers jours, Barcelone a pu décharger 3 joueurs. Mateus Fernandez d'abord, un contrat résilié, tandis que Jean-Claire Todibo et Conrad de la Fuente scellent respectivement les départs vers l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Mais d'autres dépenses restent à prévoir dans les jours à venir. Junior Firpo étant probablement le prochain joueur à partir, au milieu des discussions sur un transfert vers l'équipe de Premier League Leeds United. Et selon un rapport du quotidien Sport, Barcelone va se concentrer ensuite sur le déchargement de 2 milieux de terrain, Miralem Pjanic et Carles Alenia. Alors que les mesures de réduction des coûts se poursuivent, Pjanic n'est arrivé à Barcelone que l'été dernier, mais a connu une première campagne torride au cours de laquelle 2 adolescents ont pu le dépasser dans l'ordre hiérarchique, à savoir Pedri Gonzalez et Ilaiç Moriba. Alors que le joueur et le club cherchent à se séparer, il semble maintenant que les choses s'accélèrent et que le Bosnien suscite beaucoup d'intérêt. En effet, son ancien club, la Juve, souhaite signer un contrat de prêt de 2 ans avec Pjanic, mais le concerné devrait probablement subir une baisse de salaire pour que l'opération se concrétise. En outre, les 2 Milan ont également demandé un prêt du milieu de terrain, tout comme l'équipe de Premier League, Tottenham. Le joueur cependant vise un retour à Turin, mais il n'est pas le seul, puisque l'autre milieu de terrain que Barcelone espère décharger dans les prochains jours est Carles Alenia, un produit de la Masia, âgé de 23 ans maintenant, et n'a pas pu s'établir dans la configuration de l'équipe première. Après avoir subi une série de prêts dans le championnat espagnol, il pourrait enfin partir pour un transfert définitif. Cependant, les discussions sur le départ potentiel d'Alenia progressent de près. Le joueur lui-même veut signer pour l'équipe de Grenade, mais ce ne serait qu'un prêt, ce qui sera très compliqué car son contrat avec le Barça se termine en 2022. Mais les Azulgranas restent confiants quant à la vente du jeune définitivement. Décharger les joueurs et renégocier les contrats fait partie intégrante des tâches quotidiennes de Joan Laporta et de son conseil d'administration. Avec des renforts déjà effectués et le délestage des joueurs lentement en cours, il est temps d'évaluer les renouvellements de contrats de certains acteurs clés, mais avec des modalités différentes dans leurs contrats. L'un de ces joueurs est Sergio Busquets, qui a connu une résurrection phénoménale sous Ronald Koeman dans la seconde moitié de la saison dernière. Il est considéré désormais comme un joueur très important dans les plans de l'entraîneur néerlandais pour la saison prochaine, mais dans les circonstances budgétaires actuelles, son contrat doit être revu. Busquets est l'un des joueurs seniors de l'équipe qui a bénéficié d'une réduction de salaire depuis que Joan Laporta est venu, et selon les rapports de Catalunya Rayo, le Barça a déjà proposé le contrat réaffecté au milieu de terrain. L'offre de renouvellement de contrat que Matteo Alemany a proposé aux représentants de Busquets se situe soi-disant entre le paiement différé et la baisse de salaire, car le FC Barcelone compte prolonger son contrat de 2 ans, mais il va gagner cependant la moitié de ce qu'il touche actuellement. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2023, mais cette durée sera prolongée jusqu'en 2025. Dans ce cas, il ne gagnera pas autant qu'il ne ferait dans 2 ans au cours des 4 prochaines années. Cependant, pour les 2 dernières saisons, diverses variables seraient incluses, ce qui pourrait même signifier une augmentation significative. Il est actuellement à l'Euro avec l'Espagne, où il profite d'un tournoi spécial
spectaculaire, élu deux fois MVP, lui qui auparavant était atteint du Covid, mais ça ne se fait pas ressentir. Vu ses perfs, pour l'instant, tout l'accent sera mis sur les conquêtes européennes de la sélection espagnole. Mais Sergio Busquets est censé être plus que disposé à accepter l'accord modifié et continuera au FC Barcelone après avoir accepté la proposition de contrat. On termine avec Sergi Roberto, qui est devenu une cible de transfert estival pour l'Inter de Milan, champion de la Serie A. Comme l'a rapporté le journal catalan Sport, le joueur formé à la Masia a vu ses actions baisser durant cette saison écoulée, après avoir chuté dans l'ordre hiérarchique sous Ronald Koeman. En effet, il a connu une saison 2020-2021 très difficile, avec des blessures qu'on a pu noter. À l'approche de l'été, l'avenir de Roberto au Camp Nou est loin d'être certain. Et l'Inter de Milan envisage maintenant un coup pour le milieu de terrain, devenu, comme vous le savez, arrière droit. Les Nerazzurri sont à la recherche d'un nouvel arrière, alors qu'Achraf Hakimi se rapproche d'un transfert au PSG. Hector Bellerin, l'Espagnol d'Arsenal, serait la priorité absolue des champions d'Italie, qui ont déjà supervisé un changement de direction au club, avec Simone Inzaghi remplaçant Antonio Conte. David Zappacosta est une autre cible des interistes. Cependant, au cas où un déménagement de Bellerin ou de Zappacosta ne se réalise pas, l'Inter de Milan a dans l'œil Sergi Roberto comme alternative. En fait, il est rapporté que l'Inter a déjà approché Barcelone pour d'éventuelles informations sur la situation du joueur, de bien qu'à ce stade, il n'y ait pas grand-chose au-delà. Quant à la position de Barcelone sur l'avenir de son joueur, des rapports contrastés ont été publiés. Le Barça reste ouvert à la vente du joueur de 29 ans en cas d'offre qui vaut le coup. Mais avec son contrat expirant dans un an, le club envisage également de lui offrir une prolongation de contrat avec une réduction de salaire pour tout simplement se protéger de la possibilité de perdre l'Espagnol gratuitement l'été prochain. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.